Salut tout le monde, bienvenue sur Duplicate.club. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes mardi, nous allons jouer une partie courante à vocabulaire normal ou normal à vocabulaire courant, je ne sais jamais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'enregistre le matin en général. Et parfois, je ne suis pas super bien éveillé, mais bon, je trouve que c'est le résultat est assez rigolo. Donc, bon. On va pas se prendre trop au sérieux non plus. Donc voilà, il n'y a pas de. Puis si ça vous pose une gêne quelconque, bah, n'hésitez pas hein, dans les commentaires et puis j'en tiendrai pas compte. Je plaisante. Alors, donc le mardi désormais, depuis 3-4 semaines que c'est en place, la nouvelle programmation avec la nouvelle chaîne Duplicate.club, et bien le mardi, c'est forcément partie normale à vocabulaire courant. Et comme d'habitude, chaque jour, c'est décliné en trois temps. Première diffusion à 10h pour la partie en 2 minutes, à 14h pour la version 3 minutes et à 20h pour la version Blitz, 1 minute par coup. Ça peut être sympa d'ailleurs de jouer du vocabulaire courant en blitz. Hein. Ça permet de travailler les automatismes de recherche, de placement, etc., etc. Donc, pendant que je parle là au début, hein, les lettres qu'il y a en bas, ce n'est pas un tirage à prendre. Hein, c'est juste, voilà, je mets quelques lettres comme ça. Donc là, j'ai mis courant parce que c'est une partie à vocabulaire courant. Généralement, c'est en lien avec la partie qu'on va jouer, mais c'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Donc non, il faut pas. Alors ça pourrait arriver. Hein. Un jour, je vais vous dire, bah, tiens, vous prenez Canada C, Océanie O. Bon, la probabilité, elle est quand même assez faible. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc je rappelle qu'à la fin de la partie, il y aura le décodage. Apparemment, c'est un moment que vous aimez beaucoup, donc ben, j'en suis ravi et donc ça m'encourage à continuer sous cette forme d'ailleurs hein, en trois temps. Donc premier temps, on passe en revue les coûts de la partie pour voir les isotopes et les sous-topes principaux. Deuxième temps, les définitions peu courantes, enfin des mots peu courants rencontrés dans la partie. Et troisième temps, les potentialités des tirages, à savoir les solutions en 7 lettres, en 8 lettres, éventuellement de temps en temps en 9 lettres, que l'on n'aurait pas vu pendant soit pendant la partie, soit pendant le décodage, le premier temps du décodage. Voilà, allez. J'ai assez parlé, je pense. Et donc, il est temps que je vous annonce le premier tirage de cette partie, à condition que j'aille bien ouvrir mon fichier, ce qui était fait juste avant, mais comme j'ai eu un bug, j'ai dû redémarrer. Hein, voilà. Non, non, je ne veux pas vous raconter tout comme ça jusqu'à. Mais bon, j'ai eu un bug, donc j'ai dû redémarrer. Ça m'a fermé la fenêtre de la partie. Du coup, il faut que j'aille la chercher. Et comme je parle en même temps, eh ben, j'arrive pas à cliquer. Parce que c'est le matin. Le matin, c'est dur. Hein. Donc j'aime bien parce que le résultat, il peut être rigolo. Donc je continue de faire ça le matin. Mais vous voyez, là, par exemple, je prends un temps fou à retrouver la partie. Et là, je l'ai là. Mais j'ai des calages à faire d'abord. Alors, je demande 30 secondes. Oui, vous inquiétez pas. Dans moins de 15 secondes, vous pouvez chronométrer si vous voulez. Dans moins de 15 secondes, la première lettre du tirage arrive. La première lettre du premier tirage. Voilà. Alors, vous n'avez aucune lettre devant vous. Voici Portugal, P. Océanie, O. Suisse, S. Égypte, E. Maroc, M. Yougoslavie, Y. Et Norvège, N. Vous jouez avec Portugal, Océanie, Suisse, Égypte, Maroc, Yougoslavie et Norvège. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Pour ce premier coup, le top s'élève à 56 points. Horizontalement, en H3, nous posons myope. MYOPE. Et le S sur la case centrale. Myope. H3, ça fait 56 points. Reliquat, une seule lettre, Norvège. Voici. Tunisie, T, deux fois. Uruguay, U. Algérie, A. Égypte, E. Et Jordanie, J. Vous jouez avec Norvège, Tunisie, deux fois, Uruguay, Algérie, Égypte et Jordanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 80 points. Verticalement en 5F, en appui sur le haut de mi-hop, nous descendons ajoute. A, J, O, U, T, E, N, T. Ajoute, A, J, O, U, T, E, N, T en 5F, ça fait 80 points. Après ce Scrabble au reliquat, aucune lettre. Voici Suisse S, Égypte E, Danemark D, Uruguay U, Égypte E deuxième, Luxembourg L, et Roumanie R. Vous jouez avec Suisse, Égypte deux fois, Danemark, Uruguay, Luxembourg et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 98 points. Horizontalement en E1, de façon à mettre un R devant ajoute pour former rajoute,
Nous posons déluré. D-E-L-U. Le R qui transforme ajoute en rajoute. E-S. Déluré. E1. Ça fait 98 points. Si ce n'est pas, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne dupliquette.club. Merci. Alors, après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici Algérie A. Venezuela V. Égypte E. Italie I. Votre premier joker, lettre blanche. Luxembourg L. Égypte E, c'est le deuxième. Vous jouez avec Algérie, Venezuela, Égypte deux fois, Italie, joker et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Pour ce top qui s'élève à 158 points, le joker remplace un S de Suisse verticalement en 1A. On appuie sur le D de déluré, nous descendons valider. V A L I
Le D de déluré, E, E, et le joker qui est un S de Suisse. Validé 1A, ça fait 158 points. De nouveau un reliquat complètement vide puisque nous avons scrablé et voici un nouveau tirage Suisse S, Roumanie R, Tunisie T, Océanie O, votre deuxième joker, lettre blanche, Océanie O, c'est le deuxième. Et Italie I. Vous jouez avec Suisse, Roumanie, Tunisie, Océanie deux fois, Joker et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 74 points. Vous ferez très attention à la solution choisie, verticalement en 8H. Et le joker sera un N de Norvège. Nous partons du S de myope pour descendre 6 rotons. S de myope, I, R, O, T, O.
Le Joker qui est un N de Norvège et le S. Six rotons, 8 H, ça fait 74 points. Aucune lettre reliquat. Après ce Scrabble, voici Égypte E, deux fois. Algérie A. Égypte E, c'est le troisième. Grèce G. Égypte E, quatrième. Et Norvège N. Vous jouez avec Égypte quatre fois, Algérie, Grèce et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 20 points. Verticalement en 3H. Vous faites très attention à la solution choisie. En partant du M de myope, nous descendons. Ménager. M de myope, E, N, A, G, E et encore un E. Attention, en 3H verticalement pour 20 points, nous avons joué ménager. M, E, N, A, G, E, E.
Au reliquat, une seule lettre, Égypte, à laquelle vous ajoutez Uruguay, U. Hongrie, H. Roumanie, R. Canada, C. Italie, I. Roumanie, R, c'est le deuxième. Vous jouez avec Égypte, Uruguay, Hongrie, Roumanie deux fois, Canada et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 78 points. Horizontalement en L8, en partant du T de Sireton, nous déployons Tricheur. T, R, I. C H E U R. Tricheur. C'est rare que ça rapporte, hein, mais là ça rapporte 78 points. En L8. Après ce scrap, de nouveau, aucune lettre au reliquat. Voici un nouveau tirage. Venezuela, V. Océanie, O. Algérie, A. Tunisie, T.
Hongrie H, Maroc M et Luxembourg L. Vous jouez avec Venezuela, Océanie, Algérie, Tunisie, Hongrie, Maroc et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 32 points. Faites très très attention à la solution choisie verticalement en 14J. On appuie sur le U de tricheur. Nous allons poser Vouta. V O U de tricheur T. Vouta, Vouta, en 14J, ça fait 32 points. Un reliquat de 3 lettres, Hongrie, Luxembourg et Maroc. On ajoute Québec, Q, Québec. Algérie A, Portugal P, Algérie A, c'est le deuxième. Vous jouez avec Hongrie, Luxembourg, Maroc, Québec, Algérie deux fois et Portugal. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce coup s'élève à 38 points. Verticalement en 4A, en appui sur le U de déluré, nous posons placard. P-L-A-Q-U de déluré. Et le A vient faire AA. Avec le A de rajoute. Placa 4A, ça fait 38 points. Au reliquat, deux lettres, Hongrie et Maroc. On ajoute Italie, I. Luxembourg, L. Uruguay, U. Norvège, N. Et Océanie, O. Vous jouez avec Hongrie, Maroc, Italie, Luxembourg, Uruguay, Norvège. Et Océanie, chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un top à 33 points. Horizontalement en haut 10, de façon à mettre un i au bout de vouta pour faire voûter, nous posons moulin. Moulin qui fait voûter ai et le n. Moulin, Moulin en haut 10, ça fait 33 points. Une lettre reliquat, Hongrie. Ajouter Belgique, B. Océanie, O. Italie, I. Uruguay, U. Tunisie, T. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Hongrie, Belgique, Océanie, Italie, Uruguay, Tunisie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 35 points. Verticalement en 15F.
Pour terminer à droite du V de voûté, nous descendons hibou. H-I-B-O-U. Le U forme vu, V-U, avec le V de voûté. Hibou, 15F, ça fait 35 points. Deux lettres reliquats, Roumanie et Tunisie, vous allez les rejeter. Vous rejetez le R et le T. Et voici Italie, I. Égypte, E. Roumanie, R. Égypte, E, deux fois, ça vous en fait trois. Norvège, N. Et Danemark, D. Vous jouez avec Italie, Égypte trois fois, Roumanie, Norvège et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 83 points. Horizontalement en A4, en partant du P de Placa, nous posons Penderie. P-E-N-D-E. R-I-E. Penderie A4, ça fait 83 points.
Alors, si vous voulez, par ailleurs, en plus de vous abonner pour soutenir la chaîne, si vous voulez, si vous pouvez aussi également y contribuer financièrement, alors dans quelques temps, il y aura un abonnement, enfin, il y aura des abonnements qui seront mis en place. L'accès restera gratuit, mais il y aura des abonnements avec des options. Mais en attendant, si vous souhaitez nous soutenir, eh bien, il y a une cagnotte en ligne qui est ouverte sur okpal.com/lsdl. L'adresse est dans le. L'URL est dans la description de la vidéo et vous le trouvez aussi sur la page d'accueil du site duplicate.club. Vous trouvez le lien. Voilà. Merci d'avance. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, on a posé le top. Et donc, il vous faut un nouveau tirage. Donc, après ce Scrabble, vous n'avez plus aucune lettre. Voici Kenya, K, Kenya. Tunisie, T. Suisse, S. Égypte, E. Algérie, A. Belgique, B. Et Xénophon, X. Vous jouez avec Kenya, Tunisie, Suisse, Égypte, Algérie, Belgique et Xénophon. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 91 points, horizontalement en O1, de façon à mettre un S au bout de ménager. Nous posons basket. B, A, S, K, E, T.
le S, mais ménager au pluriel. Basket, Basket en O1, ça fait 91 points. Reliquat, une seule lettre, Xénophon. On ajoute Wallonie, W. Zambie, Z. France, F. Danemark, D. Égypte, E. Et Uruguay, U. Vous jouez avec Xénophon, Wallonie, Zambie, France, Danemark, Égypte et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 72 points. Horizontalement en C3. En appui sur le A de placa, nous posons faxé. F-A-X-E-Z. Faxé en C3. Ça fait 72 points. Un reliquat de 3 lettres, Danemark, Uruguay et Wallonie, auquel vous ajoutez Italie, I. Algérie A,
Suisse S et Luxembourg L. Vous jouez avec Danemark, Uruguay, Wallonie, Italie, Algérie, Suisse et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 27 points. Verticalement en 14B, pour terminer à gauche de Hibou, nous descendons d'Ilua. D, I, L, U, A, S. Le A forme A, AH et le S forme SI. Avec les deux premières lettres de hibou. Dilua 14B, ça fait 27 points. Au reliquat, une lettre à Wallonie, on ajoute Algérie A, Canada C, Roumanie R, Tunisie T, Suisse S et France F. Vous jouez avec Wallonie, Algérie, Canada, Roumanie, Tunisie, Suisse et France. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-six points. Horizontalement en D10, en appui sur le L de Dilua, nous posons crawl. C-R-A-W-L. Et n'oubliez pas le S final. Crawl, C-R-A-W-L-S, en D10. Ça fait 36 points. Un reliquat de deux lettres, France et Tunisie. On ajoute Maroc M. Et bien en fait, ce sont les dernières lettres, hein. Donc les cinq dernières lettres. Maroc M, Norvège N deux fois, Grèce G et Italie I. Vous jouez avec France, Tunisie, Maroc, Norvège deux fois, Grèce et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 31 points.
horizontalement en B8 sous penderie, nous posons TIF. T-I-F. Le T forme E-E-T, le I forme RI et le F forme IF avec le I de penderie. Enfin, avec les lettres de penderie. TIF B8, ça fait 31 points. On pouvait également jouer NIF sur le même endroit exactement. C'est le dernier coup de la partie. Elle en compte 17 et le top s'élève à 1042 points. Voilà, une belle partie à vocabulaire courant. 17 coups, un beau score. On va décoder tout ça. Allez. Alors, le décodage, je vous rappelle, c'est en trois temps. Dans un premier temps, je fais défiler les coups de la partie et puis on s'attarde quelques secondes sur les isotopes et les sous-topes. Et ensuite, le deuxième temps, les définitions des mots peu courants. Alors là, il y en aura, par principe, il n'y en aura pas énormément puisque c'est une partie à vocabulaire courant. Donc les quelques mots qui seront définis viendront des sous-topes ou éventuellement de certains isotopes. Et troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues pendant la partie ou pendant le premier temps du décodage. Voilà, alors on y va. Premier coup, le top c'était myope et comme on avait un N également, on pouvait faire poney. Donc c'est marrant ce tirage hein, de deux mots de 5 lettres de vocabulaire courant. Bon, 6 puisque c'est au pluriel, mais voilà. Donc poney faisait 54 et myope 56, donc ça c'est au pluriel et au singulier. 52 pour poney avec le Y qui double et 38 pour myope avec le M qui double. Si le Y double au pluriel, c'est parce que le mot fait, fait une lettre de plus. Du coup, on peut placer le Y voyez, hop, sur la case bleue. Alors, ensuite, donc on verra les... Ah, notamment, il y a éponyme sur un E. On verra les appuis tout à l'heure. Alors, ici, on a joué ajoute pour le même score. Il n'y avait rien d'autre. C'était le seul Scrabble à 80 points. Ensuite, on avait 67 avec jaunette en 7A ou 7D et ajuste à 66. Ensuite, on ne scrablait plus, mais on marquait au moins 40 points avec le J en pivot sur la case bleue, jaunet, jetant, jeunat, tout ça, ça fait 41, jutant, jute, etc. Et puis encore plus de solutions à 40 avec jante, jatte, jaune, jeunat, jinte, etc. Bon, beaucoup de choses se passent là. Et puis après, il y a les cases bleues foncées si elles sont accessibles, notamment le... sur le P de myope avec jupe et puja à 29. Alors là, on a joué déluré qui passait aussi en G7 pour une trentaine de points de moins. Donc valait mieux pas oublier le rajout, c'est le cas de le dire, devant ajoute. Rajoute. Déluré EES à 68 en appui. Leader, dealer 65, 63. Voilà. Et puis après, ben, on revient sur la place et sans le S, c'est un sous-top à moins 52, en toute logique. Le coup suivant, un onuple qui est ouvert. Eh bien, allons-y. EES validé fait 158. Alors, c'est le seul onuple et comme souvent, quand il y a une seule solution, ça peut être difficile, ça peut être piégeux. Donc, c'est pas parce que le mot est assez facile à construire que le coup est évident, c'est pas automatique. Et donc sous top 86 points avec dénivelat, dévalisé, médiéval, joli tirage, délavier, dévalier à 83, slavisé également 83, estivaleux en M3, 80 points avec le V qui double et le mot qui double. Ensuite, alors là, on a joué siroton. Pour le même score, on avait sortion. Et puis les sous-tops principaux se situent en 3H, des mots qu'on double en partant du M, miroton, monit,
Store, montoir, morosité, motorisa et motorisé. Ça, ça fait 68. Rotion, torsion en D6 également. Tournoi en L1, ça fait 68 aussi. En parlant de tournoi, peut-être qu'il va y en avoir ici, un jour. J'en dis pas plus. Alors, le coup suivant, on a joué ménager, pour la rallonge aménagée, bien sûr, même si, vu l'emplacement, là, on va pas trop s'en servir, mais bon, c'est un principe. On pouvait jouer manéger également pour 20 points. Ensuite, on a gêné en collante intégrale en 7K pour 18. Et puis, on revient là sur le 3H avec une lettre de moins. On a un peu plus de possibilités, mais à 18 points, manier, manège, manger, ménage, etc. Alors, ensuite, le tricheur. C'est rare, on n'a pas le droit normalement au Scrabble, hein. À part les mots. On a... tricheur, on n'a pas le droit. Mais là, on peut, parce que c'est juste le mot. Voilà, vous voyez, si on supprime le mot du dictionnaire, on ne supprimera pas la triche de la réalité. Hein. C'est... Bon, bref, petite parenthèse philosophique entre guillemets. Alors, tricheur faisait 78, Scrabble unique, il n'y avait pas d'autre possibilité de marquer la prime de 50 points. Sous-top à 34 avec Ahuri ou Ahurir qui mettait le H en pivot sur la case bleu foncé. Nicheur, joker, pas joker, enfin aussi joker N en démarrant, mais c'était ce que je voulais dire, c'était le C qui triple et le mot qui double, ça fait 34 points. Et puis il y a Rochier également qui fait 32 avec le C qui double et le mot qui double. Ensuite, la place 14J là, avec le V ou le H, puis on double. C'est une place intéressante. Donc il y avait Oua, Oula. Oula, c'est pas le verbe ouler, hein, on va voir ça tout à l'heure. Voua, athée, et nous on a retenu Vouta pour les rallonges à la fin. 28 points avec Hal, H-A-L-E, en 2B. C'était un autre. Là, c'était le premier sous-top. En termes de score, Placa 38, Alpha 35 en triple, Paca du verbe paquet, je vais le rajouter dans les defs. Oui, j'ai mis Volapuc comme ça pour. Je sais pas, j'aime bien ce mot. Dans les définitions, bon, il faut bien mettre quelque chose de temps en temps. Alors, donc on a joué Placa, là on était sur les sous-top, Placa, Lampa ou Palma en 15F, ça faisait 29. Le suivant tirage, Moulin à 33, en A4 on avait Philo à 30 et Il en 2B ou Une, Il ou Une. En 2B, ça faisait 28. Ou OUH également, en 4L. Jolie cheminée. Ensuite, Hibou à 35. Le hibou qui fait ouh, ouh, en 4L. Pareil, ben, hibou avec 4L, ça peut être peut-être du côté de Tchernobyl ou je sais pas. Également, Borch en 11H sur le C de tricheur qui faisait 26. Et puis, il y a pas plein de solutions à 26, en fait. Il y a encore Hibou, Otu, Tribu et... Voilà. Alors là, Néréide sec, il passe pour 72 points en D6. Et puis, on appuie avec le P, pour que ce soit de vocabulaire courant, il fallait autre chose que Néréide, bien sûr. Panderie en A4 faisait 83, et c'était les deux seuls Scrabble possibles, Néréide et Panderie, sous top, sans Scrabler, donc peindre en A4 pour 30 points. Donc peindre plus E, ça fait Panderie.
Alors, ensuite, basket plus X. Donc, basket faisait 91 avec le K qui double et le mot qui triple. Et puis, on a X ici en 2E ou F1, c'est pareil, 62. Le X en pivot sur la case bleue foncée. Sepka en 12A, 47. On met penderie au pluriel, on fait un mot compte double avec le K et ça fait un beau score. Ensuite, faxé, voilà. X qui revient. Faut toujours se méfier, mais là, ça va, c'est du Scrabble. Mais les X peuvent revenir tant qu'ils veulent. 62, Fadé faisait 56, même place que faxé. On change juste une lettre, mais du coup, on perd des points. X passait aussi en 7H. Pour 42. Alors ici, avec le W, on ne joue pas. Voilà, on joue 10 Lua à 27. Soutop 25 avec Sida. 10 Lua 23. Sali, Sial, Sila, Sué, Lui, tout ça fait 23, 22. Et le premier score avec le W, c'est 20 points. Et oui, en 6, c'est au pluriel. Alors là, il n'y a pas de World of Warcraft là. Hein, le truc de jeune là, je connais pas. Crawl en D10, ça faisait 36. Et taf au pluriel. Et caf, ça faisait respectivement 34 et 32 points en B8 et 15A. Voilà, et puis enfin, c'est le dernier coup. On a joué Tif, on pouvait jouer Nif, même score. If et Fi faisaient 28, enfin, If 28, même place. Et Fi 20 points, un peu plus bas. Voilà, après, c'est plus très intéressant. Voilà, on a terminé le passage en revue des coups de la partie. Et on va se focaliser maintenant sur les définitions. Alors, qui n'apparaissent pas forcément dans l'ordre d'apparition dans la partie. Jaunette, c'est un adjectif en fait, hein, jaunet, jaunette. Alors, mireton, c'est pareil que mironton, et le mironton, c'est un ragoût de viande aux oignons. Monitor, en marine, c'est un ancien cuirassé américain de moyen tonnage. Le montoir, une grosse pierre pour monter sur un cheval. Manéger, dresser des chevaux pour le manège. Rochier, c'est un poisson vivant près des rochers. C'est un nom masculin. Il n'y a pas de. Je vérifie à chaque fois, mais il n'y a pas de rochière. Hein. Voilà. C'est rochier. C'est un nom masculin. C'est un poisson qui vit près des rochers. Oula, interjection qui marque la surprise. Oula! Où est labouré à la houe? À la houe. La houe étant une pioche à fer large et recourbée. Lampée, boire avidement. Palmé, c'était les soutopes, hein, palma. Il y a palmaire, hein, PALMER, instrument pour mesurer de faibles épaisseurs. Et palmé, aplatir la tête d'une aiguille pour y percer le chat. Pauvre chat. Île, anatomie, c'est le point d'attache d'un vaisseau à un viscère. Une, en marine, c'est la plateforme au sommet d'un mât. Le bortsch, qui s'écrit de plusieurs façons possibles, bortsch. Et Bort CH ou SCH, un potage russe. Je pense que c'est le bruit qu'on fait une fois qu'on a fini de le manger. Je sais pas, j'ai à vérifier. La Néréide, c'est un ver marin vivant dans la vase. Sepka, KA, KHA ou KRA, KRA. En géographie, c'est un lac d'eau salée dans les régions désertiques. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, celui-là. Sepka, Nepka.
Se fader, c'est se coltiner, bien sûr. Nif, avec ou sans E, noyau hypothétique de la Terre formé de nickel et de fer, d'où son nom, Nif, NIF ou NIFE. NIFE se prononce Nifé. NI pour nickel et FE pour fer. Voilà, vous savez tout. Donc on a passé, c'est fini pour les définitions. Si je voulais, il y en avait un autre. Paquet, voilà, mettre du poisson salé en baril, avec ou sans C, mais pas sans sel, forcément. Voilà, bon, on a passé en revue les définitions, c'est fini. Maintenant, troisième temps du décodage, les potentialités du tirage, des tirages. Donc on revient au début de la partie. Et j'affiche la page qui convient. Voilà. Alors, le premier tirage. Éponyme et nymphose. C'est magnifique. Et puis ensuite, en neuf lettres, haptonyme, hypomane. Donc ça, c'est des faux neuf lettres, hein, puisque c'est les pluriels de 8. Paronyme, pyromane, hyponyme, symphonie. Ah voilà, symphonie, c'est un vrai neuf lettres. Olympien, polynôme, encore un faux neuf lettres. Monotype, toponyme, et beaucoup de huit lettres hein, avec ce tirage. Voilà. Le reste, on l'a vu. Alors, le tirage suivant. Donc on a déjà vu jaunette, ajuste, ajoute et juté, AIENT. En plus. Alors là, déluré, il y aura des choses. Dealer, leader et ludera. Donc les deux dealer et leader, on les avait vus. Crédule, résiduel, déroule, lourdé, urodèle, prélude et délustré. Alors ici, oh là là, il y en a beaucoup. Alévi, laverie, léveré. Il y en a trop, il y en a trop. On va regarder ce qu'il y a d'intéressant, notamment avec les lettres chères. Javelier, javeline. Médiéval, c'est un beau tirage là. Alévisme et médiéval. Bon, rien de. Rien qui me saute aux yeux, mais il y a sûrement Télévisa. Les passés simples des verbes en 8 et 9 lettres. Enfin, du coup, à l'infinitif en 9 et 10 lettres, comme télévisé, etc. Les passés simples sont assez difficiles à trouver parfois. Alors, le suivant. Là aussi, il y a beaucoup de possibilités, notamment avec les conjugaisons. Donc, on ne va pas faire la liste. Hein. Isotron, lorion, noroît, octroi, risotto et torsion. Pour ce que nous n'avions pas vu, rioton aussi. Pour ce que nous n'avions pas vu pendant la partie. Et puis après, tout ça, on l'avait vu. Hein. Enfin, tout ça, non, évidemment. Mais il y en a beaucoup trop. Sorbitol, foutoir, tongrois. Hongrois le plus strict. Sorption. Alors, le tirage d'après. Là, il y a beaucoup de E, donc il doit y avoir quoi? Non, même pas déménage. Non, il n'y a rien. Il y a rien à déménager. Bah oui. Réagencer, donc ça c'est en neuf lettres, hein, tout ça, réengager, emménager. Tout ça c'est du neuf lettres. Hein. Donc en 7 et 8 avec ce tirage, il n'y avait rien du tout. Alors, le tricheur avec un T, rucheret avec un A et c'est tout. J'aurais cru plus de solutions. Je vais regarder les neuf lettres quand même, on ne sait jamais. Peut-être un truc intéressant. Charrieur, fraîcheur, hurricane. Ouh là là, c'est beau ça. Chirurgie,
C'est magnifique, il est magnifique ce tirage, sans conjuguer, sans les conjugaisons. Bourriche. Je me le suis noté. Ensuite, eh bien là, hein, je pense qu'il n'y a que dalle. On est d'accord, voilà. Alors là, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais je serais pas étonné qu'il y ait quelque chose. Alors, en 7-8, il n'y a rien. Et en 9, Humilion. Bon, sur IS. Ok. Là, c'est pareil, j'ai rien vu. Mais je ne suis pas exhaustif. Et en 9 lettres, il n'y a rien non plus. Alors là, on avait Néréide, Panderie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dernière sur un R, Dénieuré sur un Z, Fanderie, Déneigé, Dénigré, Délinéé, Dénitré, Éteindre et Tanderie. Donc là, clairement, hein, il faut retenir Fanderie, Tanderie et Panderie. Hein, c'est un trinôme. Faut retenir les mots parfois par association, hein, même si les définitions n'ont rien à voir. Ça facilite l'apprentissage. Et c'est marrant parce que les trois correspondent à des verbes du troisième groupe, fendre, tendre et pendre. Il y a juste venderie qui n'est pas bon. Et on peut jouer vénéridé. Mollusque bivalve. Ok. Alors le tirage d'après. Bon là avec avec tout ça, il n'y a rien à faire. Là non plus. Là, j'y crois pas. Des masses, mais on ne sait jamais. Hein. Faut regarder. Oh, j'ai bien fait de regarder. Ludwigia sur GI, c'est splendide. C'est magnifique. Voilà, la Ludwigia, c'est une Jussié. Jussiéa, on prononce de façon multiple, plante d'ornement exotique et aquatique. J'en ai pas chez moi d'ailleurs, tiens, je vais essayer d'en faire l'acquisition parce que j'adore les plantes. Voilà, j'ai envie d'avoir plein de plantes dans ma pièce à vivre et à travailler. J'ai envie de travailler dans la jungle en fait. Voilà, ça c'était pour la seconde. Folie. Alors, ensuite, ce tirage-là, je crois pas. Non. Et ensuite, c'était le dernier, je crois. Ouais. Alors, peut-être qu'il y a des trucs avec deux voyelles. Mais non, il n'y a rien du tout. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette partie. Et ce décodage, si ça vous plaît, bah écoutez, parlez-en autour de vous. Vous êtes 360 là à peu près. Donc c'est super, ça augmente hein, tous les jours un peu plus. Les comités commencent à et les clubs commencent à en parler. Donc c'est génial. Continuez à faire ça, à faire venir du monde. Là, il va bientôt y avoir les jours un peu frisqués. Donc, dans certaines régions, ça peut être compliqué de se déplacer, notamment le soir, s'il y a des clubs qui fonctionnent le soir. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore, mais
Voilà. Donc n'hésitez pas à venir ici sur duplicate.club. La seule différence avec un vrai club, c'est que je suis pas face à vous, c'est que et que c'est une vidéo, mais bon, ça vous empêche pas de jouer comme en club. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.